bienvenue dans notre chronique hebdomadaire pour parler de responsabilité sociétale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du soutien aux associations en compagnie de Barbara, salariée ES, et de Christine Spisser, maître boucher, qui elle-même agit pour une cause qui lui tient à cœur. Suivez-moi. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors, concrètement, quelles sont les actions menées par ES auprès d'associations ? Alors, ES soutient des associations locales depuis de nombreuses années en fonction de différents axes. On soutient des associations qui œuvrent pour l'environnement, la solidarité, la mise en valeur du patrimoine par la lumière ou encore la culture alsacienne. Et quelles associations en particulier vous avez aidé ? Alors par exemple, on soutient la Ligue de protection des oiseaux et plus récemment, nous avons organisé un concert avec l'OHES au profit d'une association locale. Génial. Et en fait, pourquoi on est là aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis présente avec Christine Montboucher qui elle aussi est solidaire et soutient énormément d'associations alsaciennes. D'accord. Alors ES, je comprends bien en termes de soutien, mais comment un maître boucher peut-il agir à son petit niveau ? Comment ça, petit niveau ? Venez avec moi, je vais vous montrer. Allons-y. Alors Christine, pourquoi la Fédération des bouchers a-t-elle décidé de s'engager en faveur de Life Pink ? Ben parce que l'association Life Pink appartient à Nicolas Riffel, c'est lui qui l'a créée, que c'est un ami, que c'est un fervent défenseur de la bonne bouffe. Et la cause réelle, c'est le cancer. Et ça fait longtemps que vous êtes engagée ? Alors on y est depuis le début, 2013. En fait, on fait une semaine de promotion sur une terrine solidaire, ce qu'on appelle la terrine solidaire, d'où on reverse 2 euros par terrine vendue. Et est-ce que les clients sont réceptifs à cette cause ? Ah vraiment, vraiment très motivés, parce que déjà d'une, parce qu'ils connaissent Nicolas Riffel, hein, qui est très connu sur Strasbourg, hein, et pour la bonne cause du cancer. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et d'ailleurs, Christine, je vous fais mille pardons parce que moi-même, maintenant, je me rends compte que chacun, à son petit niveau, eh ben, on peut agir. Et moi, eh ben, j'ai décidé de m'engager pour cette cause. Eh ben ça mérite bien une petite rondelle de saucisse comme quand vous étiez petit. Oh ben, je dis pas non. Heureusement qu'il y a des traditions qui se perdent pas en Alsace. Hein. Ok. Mmh.